Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bon, les amis, c'est l'heure du goûter parce que là, depuis ce matin, on n'a pas arrêté de faire des cartons, de ranger l'appart pour le déménagement. Donc, autant vous dire qu'on s'est à peine posé pour manger à midi. Donc là, le goûter, c'est crucial. Ce matin, j'avais fait des pancakes protéinés donc de chez Foodspring, où c'est eux, je vous avais déjà parlé. C'est ceux-là, en fait, c'est une préparation déjà toute faite. Et en fait, vous avez juste à rajouter soit du lait, soit de l'eau pour pouvoir faire les pancakes et... Franchement, il y en avait plus ce matin. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus. Et je les mange avec les protéines cream, pareil. Donc, Henri mange celle-là. C'est celle avec les deux goûts. Et moi, je préfère celui-là qui ressemble plus, en fait, de la pâte à tartiner à la noisette traditionnelle. Le seul twist, en fait, de ces produits, c'est qu'ils sont plus riches en protéines que, par exemple, des pancakes ou des pâtes à tartiner normales. Et surtout, il y a moins de sucre à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression, finalement, c'est pas qu'une impression, mais de pas manger des calories dans le vent. Et ça, je trouve, avant que ça coupe, je disais que je trouvais ça plutôt cool. Et donc, bon, après, ça veut pas dire que j'en mange tous les jours et toutes les minutes. Mais de manière générale, si j'ai envie de me faire des pancakes, je trouve que c'est une solution et une alternative assez rapide et un peu plus saine que les pancakes avec le beurre, le sucre, tout le lait, la crème et compagnie. Donc, bon. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais là pour l'instant de toute façon avec le déménagement, je vais pas vous mentir, ça nous arrange bien d'avoir ça, parce que pour faire des brunchs le week-end ou des petits déj le matin, c'est quand même plus rapide. Et donc là comme c'est l'heure du goûter, j'allais me préparer des petits pancakes. Du coup, je vous partage quand même mon code promo qui est le code ENJOYFSG qui vous donne moins 15% sur tout le site de Foodspring, sauf ce qui est déjà en promo, c'est le même code que d'habitude, vous me le demandez à chaque fois, donc je vous le repartage et je vais filer manger mes pancakes.